En droit, l'héritage est le patrimoine qu'une personne laisse à son décès. Et sous nos tropiques, bien souvent, la gestion de ces biens devient problématique et des familles se retrouvent déchirées. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. Gestion des héritages, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et on va recevoir encore avec beaucoup de plaisir, Docteur Brou, bonjour. Bonjour Eva. Et Miss Conan, bonjour. Bonjour Eva. Soyez les bienvenus. Merci. Alors Docteur, je l'ai dit déjà dès l'entame de l'émission, bien souvent la gestion des biens après le décès du patriarche s'avère problématique. Oui, je pense que nous avons longtemps, tout au long de l'année 2013, parlé de famille. Et c'est un sujet également assez important. Je voulais vous donner juste deux petits témoignages. Je lisais la presse la semaine dernière, où dans une ville de l'Est, des enfants ont assassiné leur père pour hériter de lui. Je pense que quand ils ont été arrêtés, selon ce que j'ai lu dans la presse, ils ont avoué qu'il était temps pour eux d'hériter de leur père, donc ils l'ont assassiné. J'ai également eu le témoignage de quelqu'un que je connais, qui après le décès de son père, le lendemain, alors que le corps était encore posé, on cherchait à voir, parce qu'il avait des biens, à qui allaient appartenir ou revenir ces biens. Donc vous comprenez aisément l'état d'esprit dans lequel on se trouve souvent. Donc comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, la gestion des héritages est un des sujets qui crée le plus de désagréments et de chaos dans nos familles, enfin dans beaucoup de familles. Quand le père est parti, qu'il s'est efforcé à créer des richesses, la gestion pose énormément de problèmes. Je crois que c'est une des principales raisons de division de beaucoup de familles sous nos tropiques, parce que bien souvent, il y a les facteurs culturels. On vous dit par exemple que c'est le neveu qui doit hériter de l'oncle, ce qui ne passe pas toujours de façon évidente, ou bien c'est peut-être un des aînés qui, pour une raison ou une autre, a eu l'occasion de gérer les biens et qui va s'en approprier pour ses besoins personnels au détriment des autres. Cela aussi se voit, bien sûr, dans les familles recomposées, on en a parlé, mais là, ça intervient encore, ou parfois, un homme qui a eu beaucoup de femmes avec beaucoup d'enfants de mères différentes s'en va et laisse des biens. J'ai même eu quelques témoignages où parfois ça a été des sociétés qui sont tombées parce que chaque groupe d'enfants a voulu sa part d'héritage, sa part de gâteau. Et bien évidemment, ça a mis la société au chaos. Donc c'est un sujet assez important qu'il faut aborder pour que, avec certainement l'appel des uns et des autres, on puisse avoir des consignes ou des témoignages évidemment. Très bien. Merci. Alors, grâce à Patricia Yeo qui réalise donc cette émission, le thème sera affiché dans quelques instants. On l'a dit, gestion des héritages. Le premier sous-thème qui s'en dégage, c'est donc l'état des lieux. Vous avez commencé, docteur. Alors, donc, le constat, il y a le poids des traditions. Oui. Bien souvent, vous l'avez dit également, ce n'est pas les enfants naturels, biologiques du défunt qui ont accès à ces biens. C'est bien souvent des cousins, des cousines, voire le petit, des neveux, l'oncle ou la tante. Et cela pose énormément de problèmes. À ce niveau-là, on pourrait parler donc de friction entre les traditions et le modernisme. Parce qu'on pourrait avoir l'impression tout simplement qu'après 20-30 ans à Abidjan, nos traditions ne sont plus en fait le point d'ancrage d'un certain nombre de nos comportements. Les gens se disent, on est tous partis à l'école, moi j'ai travaillé, j'ai mis mes enfants à l'école. Très souvent, ne l'oublions pas, l'héritage aussi peut être une compétence. Il y a des parents qui ont mis leurs enfants à l'école, qui ont fait une plantation d'EVA et qui ont mis dans cette plantation-là leur fils aîné ou qui ont ouvert des boutiques, des magasins ou qui ont montré à leurs enfants comment gérer leur patrimoine immobilier. Donc, au-delà de l'aspect matériel, dans ce cas-ci, bien sûr, l'héritage peut être une compétence. Donc, ce monsieur-là qui a formé son enfant ou qui l'a emmené dans des écoles, s'il a une banque, dans des écoles de banque et finance pour que son enfant ait la compétence requise pour pouvoir exercer, pour pouvoir bien gérer le patrimoine, c'est vrai que ça peut créer quelques troubles quand au décès du patriarche, comme tu l'as dit tout à l'heure, les enfants ne soient pas en droit de recevoir ce qui leur est dû. Parce que leur père, on peut le dire, s'attendait à ce que ça leur revienne. Les traditions, il y a quelque temps, il y a bien longtemps, on pouvait les utiliser encore comme base dans la dynamique de partage.
de l'héritage, parce qu'on était tous au village et on s'entendait tous dessus. Mais cette progression du rural à l'urbain là, a changé un peu les choses. Et les gens, même dans leur famille, ils ne le veulent même plus. C'est-à-dire des gens qui croyaient encore aux coutumes, aux us, aux traditions, qui étaient accrochés à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ils savent très bien que quand ils travaillent au bout de 10-20 ans, ils doivent former leurs enfants, leur apprendre comment gérer ce patrimoine-là. Et leur... Parce que c'est une richesse qui passe de père en fille. Donc, de père en fils, pardon. Donc, ce système qui avant était du neveu, on cherchait la nièce, l'arrière-cousine, parce que l'enfant ne vient pas de sa mère, il vient plutôt de son père. C'est des choses qui n'ont vraiment, qui sont un peu en déphasage avec la société actuelle. Et il est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, et comme Dr Brou l'a repris, que ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes parce que les enfants non plus n'ont pas envie de laisser ce qu'ils ont vu leur père acquérir, construire. C'est le sacrifice de toute une famille. Il y a des familles qui ont été privées de leur père, qui a travaillé, des enfants qui ont été privés de leur père. Bon, pas privés, pas coupés carrément, mais le père voyageait beaucoup, il travaillait. Ils ont vu leur père se casser à une certaine tâche pour avoir telle plantation, pour construire telle maison et des choses comme ça. Et ils estiment que pendant ce temps, les cousins, les neveux, les tantes, elles, ils n'étaient pas là. Quand je dis ils n'étaient pas là, ils étaient de passage. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi eux qui ont manqué de ces choses-là pour que leur père arrive à ce niveau-là. Et surtout, qui ont hérité, comme je le disais tout à l'heure, de compétences, d'aptitudes pour pouvoir mieux le gérer. Parce que leur père leur a appris comment tenir donc cet héritage-là. Ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas à eux que revient ces biens-là. Parce qu'on pourrait avoir l'impression tout simplement qu'après avoir souffert tant de maux, l'absence du père, ses fatigues, souvent, bon, pour les filles plus grandes ou pour les fils, il faut le masser, il faut accompagner le vieux au campement, il faut le suivre dans toutes ces choses-là. Et là, on vous fait croire que, en tout cas, vous avez l'impression que vous avez travaillé aussi, parce qu'il y a une contribution, il y a une partie de vous que vous cédez, vous avez l'impression que vous avez travaillé pour d'autres personnes et que vous vous retrouvez sans rien. Tout à fait. Alors, je rappelle que vous pouvez prendre part au débat, bien évidemment. Le numéro de téléphone est inscrit sur votre écran, 22 40 12 54, précédé donc de l'indicatif plus 225, si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Docteur. Alors, donc, je voulais ce qu'elle dit, ajouter pour dire qu'effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a des abus dus à la culture, c'est-à-dire le monsieur qui a construit sa richesse, comme elle l'a dit, au sacrifice de l'affection qu'il devait donner à ses enfants, et qui s'en va, donc on dit c'est un neveu ou un cousin, donc au détriment de ses enfants biologiques, c'est source de conflit. Mais il y a l'autre cas de situation où, quelquefois, les enfants bénéficient directement de l'héritage, c'est-à-dire le papa n'est plus, il a conçu les biens, donc c'est un des frères qui est appelé à gérer, et qui malheureusement aussi gère mal. Mm-hmm. C'est-à-dire que si c'est, ça peut être l'aîné, ça peut être quelqu'un peut-être parce qu'il est allé à l'école, il a les compétences, donc on dit, bon, la plantation, peut-être des VA, peut-être la maison qui se trouve à Abidjan, qui se trouve en location, tu gères pour l'ensemble de la famille. Oui. Mais malheureusement, utilise ça pour ses besoins personnels. Il peut arriver que ce soit des personnes même qui ont un certain âge, qui ont fondé des foyers. Et donc, ce frère-là ou cette sœur-là va utiliser les moyens de l'héritage pour seulement ses propres enfants. C'est-à-dire que vous êtes deux ou trois frères, vous avez des enfants, les parents ont laissé quelque chose, et puis... L'aîné, celui qui est plus puissant, donc qui a la capacité, à qui on a confié la gestion, gère, parce que quelquefois, avant le décès, le parent peut dire, quand je ne serai plus là, c'est elle qui gère, mais dans l'intérêt de tous. De toute la famille. Et celui-là va trahir la mémoire de son parent et va utiliser les moyens pour ses besoins personnels, pour les besoins de ses propres enfants. Très bien, docteur. Avant qu'on n'arrive même aux crises internes, comme je pourrais le dire, dans le cas où l'héritage est mal géré par l'un des enfants, l'un des ayants droit, il y a le cas où c'est, Miss Conan le disait, où c'est la belle famille, voire la famille élargie, qui s'approprie tous les biens et au détriment de la veuve. Oui, oui, surtout, ça encore, c'est... qu'on parle de la veuve également qui a souffert, qui a sué sang et eau avec son mari pour construire et avoir un petit patrimoine. Et au décès de l'époux, elle est tout de suite répudiée, chassée. On lui fait comprendre qu'elle n'a droit à oui, rien. Oui, ça, c'est aussi un des drames de notre continent. Je crois que c'est des facteurs de soulèvement. J'ai peut-être, je ne sais pas pleurer, mais j'ai la chair de poule parce que c'est des témoignages terribles. J'ai connu des témoignages où la pauvre femme, elle s'est sacrifiée avec son mari. Elle a même un appel. Oui, okay. Docteur, on va revenir à votre témoignage. Alors, Madame Essimal nous appelle de Yopougon.
Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. On vous écoute. Bon, en fait, je voulais dire que ce que vous êtes en train d'aborder est très important. Oui. Parce que souvent, les enfants n'agissent pas à cause de la sorcellerie. Soit, si on va les éduquer, on te tue. Et ces biens-là reviennent toujours à c'est du vivant de ta maman ou bien de ton papa qu'on a mis dedans. Aujourd'hui, la personne est dedans avec elle, ses enfants. Donc, c'est du tout à cause de la sorcellerie que les enfants ont peur d'agir. Tout à fait. C'est du tout à cause de ça. Parce que quand tu insistes, tout de suite, ici au village, tu tombes. C'est pas facile. Tout à fait. Et tu souffres avec tes parents, vous réalisez des trucs, et puis après, c'est d'autres personnes, par exemple, par pitié, la maman ou bien le papa l'est installé dans la maison. Mmh. Aujourd'hui, les parents ne vivent pas. Et c'est ceux-là qui sont dedans avec leurs enfants. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Votre contribution. Très bonne journée. Félicitations pour cette émission. Merci encore. Très bonne journée. Oui, je crois que c'est des témoins récurrents. Hein. Donc, la pauvre femme qui va se sacrifier, à la limite, nous priver du minimum. Parce que quand les nouveaux pains sortent, le monsieur dit non, tu sais, on est en train de construire une maison, pardon, ça va aller. Bon, quand les fêtes des mères arrivent, pendant que d'autres sont en train d'organiser des fêtes grandioses, où tout le monde vient, il y a des gens qui achètent des voitures, disent non, tu sais chérie, on n'a qu'à souffrir parce que demain ça va aller. Mm-hmm. Donc elle accepte, espérant de mêmes choses. Et puis malheureusement, le monsieur s'en va avant, et puis on lui dit non, tu n'as pas le droit, il faut sortir de la maison. C'est criminel, excusez-moi de le dire, mais c'est cruel. Malheureusement, c'est les choses qui existent. Quelquefois même, dans certaines traditions, dans certains milieux, cette femme-là a été chassée avec ses enfants. Mm-hmm. C'est-à-dire que le monsieur a construit, il a fait des réalisations au village où, enfin ça peut être en ville. Mm-hmm. Et puis, dès qu'il décède, à la limite, on vient, on dit non, tes enfants, tu les prends et puis allez vous débrouiller. Tout allez vous débrouiller. C'est... On va prendre oui. M. Bomba qui nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô. Bonjour M. Bomba. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui. Le thème, oui, on vous entend, pardon. Le thème, c'est la gestion des héritages, on vous écoute. Oui, bon, c'est pour les héritages. J'appelle parce que notre grand frère, tout ça, il est parti avec les héritages de la famille et tout ça. Nous, on n'arrive pas à gérer tout. Depuis, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère et on ne peut rien faire avec sa vie. Il est en France avec ça. Donc, on ne sait pas comment gérer ça. D'accord. Mais vraiment beaucoup de courage. Oui, je pense que c'est un témoignage. C'est un témoignage. Il y en a tellement que. Merci, monsieur Bomba. C'est... Vous aviez commencé à en parler, donc oui, des crises internes. Des crises internes. On va y arriver, dans, je pense, la seconde partie, dans absolument. Quelques instants, quand on parlera de sources de conflits. Alors, donc, comme je le disais, c'est cette femme-là, elle peut mourir le plus tôt possible. C'est-à-dire, on vous prive de tout, après peut-être 10, 20, 30 ans de construction, et puis on se lève, on dit non. Il n'est plus là, vous n'avez pas droit. Vous et vos enfants, vous êtes mis dehors. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus cruel et de plus blessant que ça. Donc, elle s'est privée de la vie, du plaisir de tous les jours. Et puis, au moment où elle se dit, je vais en profiter, on dit non. Et je l'ai dit une fois, je pense que c'était à une émission, malheureusement en Afrique, il y a des gens, leur projet de société, leur projet de vie, c'est d'attendre la mort des autres pour être réalisé. C'est maintenant, ça fait peut-être rire, mais c'est la réalité. Ils sont les fonds de calcul. Bon, il a construit son immeuble, tout ça, on va le tuer. Et puis bon, la femme a parlé de sorcellerie. Mm-hmm. Et puis on va utiliser des moyens parfois, détournés, etc. Et puis on élimine, on châte tes enfants. Bon, heureusement que Dieu a fait en sorte que nous tous sommes mourus un jour. Sinon, vraiment, c'est cruel. C'est cruel et c'est des personnes qui vivent des situations terribles, des dépressions. Il y en a qui vont jusqu'à se suicider parce qu'à un moment, on est dégoûté de la vie. Et très souvent, on pourra même ajouter que ces cas-là, on peut dire, c'est gérable quand la dame a un certain niveau, qu'elle-même, elle a pu gérer un certain patrimoine. Parce que dans le cas où c'est le monsieur qui part avant, il y a des femmes qui sécurisent un peu leurs biens et tout ça. Et elles ont des enfants, qui sont mariées. Donc, à la limite, c'est blessant.
dans ton amour propre, dans l'héritage affectif que tu as avec ce monsieur-là. Parce que les gens t'ont arraché quelque chose, en fait, en te prenant tous ces biens-là. C'est quelque chose, c'est 20, 30 ans de ta vie qui t'ont arraché. Donc là, tu as l'impression que tu n'as rien vécu avec personne. Le monsieur est mort, tu n'as rien eu dans l'affaire. C'est une perte de temps. Mais quand c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui n'a pas forcément un certain patrimoine pour elle-même et qui a des enfants en bas âge, parce qu'il y a des cas comme ça où des femmes ont des enfants de 2, 3 ans, 4, le plus grand à 12 ans, hein, ça devient juste d'avoir. Il est parfois encore, même pas. Parfois même pas. Ou des gens qui ont été, qui ont lutté pour avoir un ou deux enfants. Donc, ça peut être, pour moi, ça peut être vraiment très, très lourd à porter quand la femme même, de par ce qu'elle a réellement, donc ses enfants et son argent, elle ne peut même pas subvenir à ses besoins. Là, on a l'impression que ceux qui veulent le faire, ils veulent vraiment l'enfoncer. Parce que quand tu as un peu d'argent, tu peux te débrouiller. Mais quand tu n'en as pas et que tu as des enfants à charge et que tu regardes ces enfants-là et que tu as juste envie de demander à ces gens-là, mais si vous avez aimé autant votre frère, on en a parlé la dernière fois, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre les biens-là, mais donner quelque chose à sa famille pour que sa famille continue à vivre? Quelque part, ça donne l'impression qu'il y a une certaine méchanceté à l'endroit de ce frère-là. Je veux dire, on aurait l'impression que ce frère-là, vous faisiez semblant de l'aimer quand il était vivant, mais que vous attendiez sa mort, en fait, pour vous venger sur quelque chose. En l'occurrence, ses enfants et sa famille, parce que c'est son nom qui reste sur cette femme et ses enfants. Monsieur Abénou, il nous appelle de la Riziera 2. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame, oui. Moi, au point de vue, je pense que l'héritage va revenir aux enfants. D'accord. Parce que j'ai un témoignage. Il y avait un enfant qui était dans une plantation avec son père. Et le père, il travaillait avec le père. Le père, il avait promis de lui donner une portion de la terre après. Mais le père, tout juste après, le père est décédé. Et ils ont compris, ils ont toute la famille. Et ça, un neveu de la famille, un paragon qu'ils ont donné l'héritage. Au final, l'enfant même qui a travaillé, son père n'a pas hérité de l'héritage de ses parents. Donc, moi, mon point de vue, c'est que l'héritage va revenir aux enfants. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Abinou. Voilà, l'héritage devrait revenir aux enfants dans un monde parfait, oui. Idéal. On va donc passer tout de suite à la seconde partie de l'émission, les sources de conflits. Parce que quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, il n'y a rien à dire. C'est quand il y a problème, et des problèmes, ils surgissent dans la majorité des cas. Il y a une dame qui a appelé qui parlait de sorcellerie. Un mot que j'ai du mal à prononcer d'ailleurs. Elle parlait de sorcellerie. Bien souvent, les enfants ont même peur de réclamer leur dû parce qu'on est en Afrique, il y a le poids du mysticisme. On se dit que rien n'est simple, rien n'est naturel. À vouloir demander ou même faire des histoires, on est exposé à pas mal de choses. Donc, on préfère ne rien dire, ne rien faire et puis... Oui, même quelquefois quand l'enfant s'entête, quand la maman vient dire « mon fils ». Déjà, tu as perdu le matériel, je ne veux pas qu'on te tue parce que tu me coûtes encore. Vaut mieux espérer pendant qu'on a envie, reconstruire. Mais quand on parle des causes, je voudrais surtout prendre le cas où les enfants ne sont pas gênés outre mesure et ils ont la possibilité de façon directe de gérer ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire de ce que le papa ou les parents ont laissé. Une des causes, c'est que ce sont des enfants qui n'ont rien appris. Docteur, on va y arriver. J'aimerais qu'on parle aussi, également du manque de testament. On en a déjà parlé. Oui, on reviendra dans la solution, certainement. La plus grande cause, quand le père ne dit pas clairement qui a droit à quoi. Parce que je pense que si c'est clairement mis noir sur blanc, on aura beau faire, beau discuter, il y a encore la justice comme recours. Oui. Et chacun sait ce qui lui revient. Vous savez, l'Afrique a ceci de particulier. C'est vrai, vous savez, les décisions de justice, oui, on y va, je pense. Monsieur Kipré nous appelle de Trècheville. Allô? Allô? Monsieur Kipré, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, il y a mon père qui est décédé, là, qui a laissé un grand héritage, plusieurs terrains. D'accord. Mais l'aîné a pris tous les papiers, il allait s'asseoir quelque part en Europe, là-bas. Et on n'a aucune nouvelle, on ne sait même pas comment... avoir les trucs de l'héritage, tout ça. C'est pour s'il est confisqué. On ne sait pas où se plaindre, à quel fin se vouer. Et les enfants souffrent ici, les petits frères, personne ne va à l'école. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire dans ce cas-là.
Merci beaucoup, Monsieur Kipré. On essaira d'y répondre. Je pense que c'est une... Oui, ça, peut-être il faut s'adresser avec les notaires, notamment, parce que des actes notariés. Donc, vous parlez d'actes notariés. Effectivement, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que petit à petit, il faut y arriver, même si c'est encore très, le taux est encore très bas. Ce n'est pas encore dans nos mœurs. Non, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Parce que, vous savez, la dernière fois, j'ai discuté avec une dame notaire et puis il dit, mais votre coût trop cher. Donc, même si on a un petit trou, on a envie d'aller. Mais quand elle explique, vous sentez le besoin de le faire. Qu'on n'a pas besoin, peut-être si vous avez une petite table, déjà, vous commencez à déclarer à qui doit le venir quand ce n'est pas là. Mais on a peur souvent qu'en allant voir les notaires, ça nous coûte cher. Mais il faut faire de la sensibilisation pour que les gens comprennent. Et docteur, je ne vous coupe pas, mais ça, je pense que ça peut être aussi que l'Africain, on est un peu naïf quelquefois. C'est-à-dire, on compte sur la bonne volonté des gens qui sont autour de nous. Oui, je comprends. Parce que quand vous avez des biens, vous vous dites vraiment, je travaille. Et même souvent, dans les échanges avec les frères, pour moi, les gens, ils disent que la maison, vraiment, c'est mon premier. Je suis en train de former mon dernier pour qu'il hérite de la plantation. Il sait très bien qu'à sa mort, il y aura des discussions, mais il compte sur la bonne volonté et sur le fait qu'il ait dit oralement. On le dit. Mais je pense qu'il faut petit à petit y arriver. Il faut arriver avec les papiers, même si ça ne règle pas. Parce que moi, j'ai assisté à des scènes où vous allez à la justice, le juge tranche. Il dit effectivement, la terre là, ça revient aux enfants. Mm-hmm. Il dit, ok, c'est le juge qui a dit qu'on va arriver au village, on va voir. Oui, c'est vrai. D'où ça nous ramène à ce que la dame a parlé de sorcellerie. Du coup, la décision de justice, elle est prise en bonne et due forme. Mais sur le terrain, pour envoyer les policiers, pour envoyer tout ce que vous voulez. Mais ils vous disent, de façon à ce que vous avez dit, on a compris. Mais quand on va arriver au village, on va voir. Mm-hmm. Donc, par peur, on ne peut pas s'y rendre. Mm-hmm. On ne peut pas s'y rendre. Parce que, comme on l'avait dit, les pratiques occultes, les pratiques sournoises chez nous ici font que on peut attenter à votre vie. Maintenant, on peut aller de façon physique. Souvent, même, c'est du trafic d'influence. Absolument. Quelquefois, ce n'est pas toujours vrai. On cultive cette hantise. Mais qui va essayer J'ai personne envie d'essayer. Parce que quelqu'un me disait, quand tu meurs là, tu ne reviens plus. Au moins, si tu es malade, tu peux te réveiller. Mais si tu meurs, tu ne reviens plus. Donc, vaut mieux ne pas essayer, ne pas mourir et ne pas revenir. Mais on le dit, ça fait rire, mais c'est des réalités. C'est des réalités et qui, malheureusement, vous avez le jeune homme qui a appelé, le monsieur qui a appelé. Beaucoup de personnes ont cessé d'aller à l'école. Ils ont cessé leur formation parce que le papa, il a été sage. Il dit, bon, je vais faire ça parce que personne ne sait quand il va partir. Donc, pour que demain, les enfants soient à l'abri, ils s'en vont, on dit, non, votre école est finie. C'est des réalités. Donc, on va passer donc aux crises internes, hein, je pense. Oui. Parce qu'on a déjà deux témoignages qui nous disent la même chose. Un grand frère qui s'approprie tous les biens, bon, qui part en Europe, apparemment, c'est... Bon, c'est leur lieu de prédilection. Pardon. Ah d'accord. On va prendre M. Assalé Christian et puis juste après on va en parler. M. Assalé Christian qui nous appelle de Cocody. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour M. Assalé. En fait, j'aimerais préciser que souvent dans les héritages, lorsque ton père hérite, que ne soyez pas surpris qu'à son décès, on prenne votre héritage aussi. Mm-hmm. La meilleure façon, c'est de ne pas hériter de quelqu'un. Par exemple, mon père, moi est paysan, il est planteur. Mm-hmm. On va ensemble au champ pour faire au champ des viandes. À son décès, personne ne peut aller prendre part avec moi au niveau de la plantation, puisqu'il n'a pas hérité de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, il y a aussi ce plan-là dans nos coutumes africaines aussi. Quand tu hérites de quelqu'un d'autre, ne sois pas surpris qu'on prenne l'héritage de ton père à son décès. C'est ce point-là que j'aimerais souligner. Quoi. Très bien. Merci beaucoup, M. Assalé. Okay, bonne journée. Vous me permettez, peut-être avant d'aller dans les crises internes, de réagir sur ce que monsieur vient de dire. Oui, effectivement, il y a plusieurs types d'héritage. Malheureusement, il y a la confusion et il y a l'amalgame. C'est-à-dire que ce que moi, je produis en tant que richesse, théoriquement, revient à mes enfants. Maintenant, quand elles vont grandir, ce qui demeure la richesse collective doit être géré dans un autre cas que ce que, individuellement, chacun va créer pour sa descendance. Tout à fait. Parce que dans les héritages, en pays baoulé, par exemple, c'est l'or. Généralement, c'est l'or. Mais l'or, là, on ne le vend pas parce qu'on dit, ça, c'est pour les aïeux. Donc, c'est pour la grande famille. C'est un symbole qui est là. Mais ce que chaque individu crée comme richesse, normalement, de droit, devait revenir à sa descendance. Mmh. Voilà. Donc, ce qu'il dit, quelquefois, effectivement, quelqu'un hérite d'une richesse de la grande famille, il utilise ça à son propre compte pour réaliser. Évidemment, si demain, ce n'est pas là, les gens vont chercher à récupérer parce qu'il était peut-être tout puissant, il avait un grand poste dans la société, il avait les moyens, il écrasait tout le monde, il l'utilisait. Mais demain, quand ce n'est pas là que les enfants ne sont pas aussi forts, ils vont l'arracher. Donc, je suis d'accord avec lui qu'il faut faire la part des choses pour éviter de créer des problèmes. Alors,
je voudrais ajouter, s'il vous plaît, et même pour revenir à un cadre beaucoup moins large, en fait, que l'héritage au niveau des aïeuls et tout ça. Moi, de ce que M. Assalé dit, ce que je comprends, c'est que moi, je n'hériterai pas de l'héritage de mes parents. De ma petite sœur. De l'héritage de ma petite sœur ou d'un oncle. Okay, oui. Si je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne hériter, vienne prendre pour moi. Et ça me rappelle l'histoire. Voilà, parce que si moi, je vais hériter de ma petite sœur, mais il est clair qu'à moi, mon décès aussi, je touche du bois, mais mon grand frère voudra venir parce que tu l'as fait toi-même. C'est ça. Et quand tu le faisais, tu étais conscient que ce n'était pas bon. Mais tu avais toute l'opportunité que tu avais en le faisant et tu l'as fait. Donc, c'est tout à fait normal que, étant toi-même... comment dire, étant toi-même respectueux de ces traditions-là, ben on les respecte aussi à toi, ton niveau. Ça me rappelle l'histoire d'un de mes oncles, quelque part, qui n'est pas baoulé, mais qui disait à la dot de sa fille, il a dit à son frère, tu prends la dot de ta fille et je prends la dot de ma fille. Ils se sont entendus comme ça. Mmh. Parce que normalement, son frère devait lui donner la dot de sa fille. Mmh. Il a refusé de prendre la dot de sa fille. Il dit non, tu gardes la dot de sa fille et moi. Donc, c'est vrai que si, de part et d'autre, les parents, mais avec les enfants en témoin, on s'entend comme ça que ben, chacun garde, là, il n'y a pas de problème. mais n'allez pas hériter chez votre frère et puis attendre qu'à votre tour, vos biens vous reviennent. Parce qu'en plus, ça va faire quoi? Ça va faire ce que vous avez récupéré chez votre frère et vos biens. Donc, en fait, vous êtes dans la famille en train de collecter les héritages des autres pour vos enfants. Ce n'est pas sérieux. C'est pas juste. Oui. Je suis parfaitement d'accord. Alors, pour revenir aux crises internes, alors, une des causes, c'est la mauvaise gestion même de ceux qui ont créé la richesse avant leur départ. Souvent, il n'y a rien qui est dit. On ne sait pas exactement ce qui revient à tel ou tel. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, je construis un bâtiment de 4 appartements. J'ai 4 enfants chacun. Les papiers sont clairs, ça y est, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on ne le fait pas. Et comme on ne sait pas quand on va partir, brusquement, on est parti. Et puis, l'aîné va s'en approprier et puis après, ça va en Europe, comme on le dit. Les gens ont appelé pour le dire. Oui, je connais des témoins comme ça, c'est pour ça que je dis ça. Le gars, il a mis la main dessus. La maison de sa mère, donc c'est un ami qui récupère l'argent et puis lui envoie là-bas, les autres sont ici, n'ont rien. Très bien. Monsieur Diarra, qu'on va écouter avec beaucoup de plaisir, c'est l'un de nos plus fidèles téléspectateurs, il nous appelle de Sikasso. Bonjour Eva. Bonjour Monsieur Diarra. On a bien passé la nouvelle année. Oui, ça va bien Sikasso? Oui, ça va plus de moyens vous-même. Ça va bien, merci. On vous écoute. Bonjour à Miss Conan. Miss Conan. Miss Conan, bonjour Monsieur Diarra. Je vous souhaite bonne année. Merci à vous aussi. Et que l'année 2014, vous nous apportez beaucoup de thèmes encore à débattre. Amen. Bon, je voulais passer à l'émission. Oui, monsieur Diarra, on vous écoute. Bon, la gestion des héritages, c'est un problème que nous, hein. C'est un cas très délicat. Parce que moi, je suggère, par exemple, que quand tu te maries avec ta femme, mieux pour aller faire, c'est un notaire, aller faire des papiers par rapport à ton héritage. Parce que aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, quand déjà le monsieur va, c'est des problèmes. Surtout quand tu es sur une grande famille, ah non, on attend même pas que tu sois enterré déjà, toutes tes personnes de la télé. Et c'est tes enfants qui souffrent. Ça, c'est général. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ça, c'est partout en Afrique. C'est ce que il va falloir que réellement on réfléchisse à ce problème de la gestion de l'État. Parce que tu ne peux pas souffrir et puis tes enfants vont encore souffrir derrière toi. Comment tu peux comprendre ça? Hein? Tout à fait. Et ta femme aussi souffre en plus de tout ça, l'enfant d'autrui. Donc c'est pas facile. Hein. Je crois que ma suggestion, c'est de surtout passer chez un notaire. Et si possible, dès que tu décèdes, au moins, le notaire vient lire un peu tes biens et tes enfants savent ce qu'ils doivent en faire. Ça. Tout à fait. Même s'ils sont pour encore tout petits, quand ils vont grandir, ils vont se dire déjà leur père a fait quelque chose. C'est la seule solution qui peut nous sauver en Afrique. Sans ça, il n'y a pas de solution. Très bien, monsieur Diarra. Merci beaucoup. Merci, Eva, et bonne journée. Très bonne journée à vous. Alors, si vous me permettez, je ris parce que ça me rappelle une affaire. Quelqu'un qui dit bon, pour éviter les histoires, s'il est Abidjan, il va construire des maisons à Abidjan. Puis il en construit au village. Comme il n'est pas suivi, si on bloque le village, au moins Abidjan a la justice. Les gens, parce que les gens du village ont peur de la justice. Hein. Oui. Quand on parlait de prison, personne n'a envie d'entendre parler en de ça. En même temps que les gens du village ont peur de la justice, les gens de la ville ont peur de la sorcellerie. Bon, donc ce qu'il voulait, il garde, mais c'est que bon, c'est juste pour rire. Mais effectivement, les parents ne prennent pas suffisamment de dispositions. Parfois, même les enfants n'ont rien appris. C'est-à-dire, il est assis à la maison, sur le prétexte que son papa est riche, il ne va pas à l'école. Il n'apprend pas de formation.
Il est évident que quand demain, les parents ne sont plus, et que ça, c'est un malheur maintenant qu'on lui donne de gérer, ce n'est même pas un bonheur, qu'il a le malheur de gérer, je précise que je ne me trompe pas, il s'en va dilapider, sans donner aux autres. Parce qu'une des raisons, dans une famille, pour que les problèmes d'héritage soient apaisés, c'est quand individuellement quelqu'un a un minimum. Ça veut dire que vous avez des enfants issus d'une famille où vous avez utilisé les moyens, les parents ont utilisé les moyens pour vous aider, vous êtes allé à l'école, vous avez construit votre vie, chacun à sa maison. En général, quand le papa n'est plus, la maison familiale, on va là-bas juste pour les réunions, etc., etc. Mais parmi vous, celui qui ne s'est pas efforcé à faire la construction de sa vie, c'est lui qui va le plus réclamer l'héritage et créer le plus de problèmes. Donc, l'encadrement des enfants pendant que les parents sont en vie est fondamental. Très bien. Monsieur Boli nous appelle de Ouagadougou. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Boli. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bon, c'est question, concernant la question de l'héritage. Oui. Bon, généralement, moi, je pense que c'est dû à une question d'éducation. Et d'abord, souvent quand le papa se marie à plusieurs femmes, et généralement, les enfants sont confrontés à des situations un peu difficiles quand le père n'est pas là. Il y a une déchirure au niveau de la famille. Mais quand le père a une seule femme qui a des enfants, je pense que généralement, ça ne doit pas poser de problème puisque c'est la même famille. Voilà. Donc, je pense que c'est aux parents de prendre des responsabilités avant de partir ou de prendre des décisions concernant les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution et avec le testament qui est là, je pense qu'on peut rédiger un testament en bonne et due forme pour qu'il n'y ait pas de conflit au niveau des enfants. C'est un peu mon point de vue, quoi. Très bien. Merci beaucoup, M. Boli. Voilà. Merci bien. Bonne journée. Mais je voulais juste dire un mot sur le problème du testament. Je ne sais pas, mais je pense qu'il serait souhaitable que le testament soit déjà connu avant le départ. Parce que bien souvent, quand ce n'est pas connu, ça peut être tendance à manipulation peut-être de quelqu'un. Surtout quand ce n'est pas des actes notariés, il n'y a aucun papier administratif. Souvent, le gars écrit à main levée ou bien il saisit. Ce n'est pas suffisamment. C'est pas suffisant. Le futur défunt de griffe veut éviter des problèmes. Voilà. Donc, il ne dit rien à personne. Il s'assoit, il fait son testament, il lègue ce qu'il veut à qui il veut. Et puis, il se dit, bon, après mon décès, ils vont gérer. Voilà. Mais bien souvent, le testament également, vous venez de le dire, peut être sujet à pas mal de modifications, de falsifications, où un seul enfant sait que le père a fait un testament, peut-être en fouillant dans les affaires et tout, il peut tout à fait le trafiquer et puis aller voir. Justement, pas plus tard hier ou avant, je recevais un témoignage d'un enfant qui fouillait les affaires de ses parents, qui a découvert qu'il avait de l'argent à la banque, donc il a commencé à réclamer. Il dit, mais je viens de découvrir que j'ai de l'argent à la banque, il faut que je sache quelque chose. Donc, vaut mieux porter ça à la connaissance des enfants, surtout quand ils ont un certain âge. Les problèmes vont commencer du vivant. Oui, au moins du vivant. On le règle. Vous savez, quelquefois, quand Dieu vous a donné la capacité de certaines notoriétés et que vous maîtrisez vos enfants, si vous n'arrivez pas à régler les problèmes de votre vie, parce qu'il y a des velléités. Il y a des velléités de chefferie, il y a des velléités. Donc, tout le monde est un peu caché. Mais si le baba tombe demain, chacun va se révéler au grand jour. Ça se passe dans la famille. Donc, le papa, il est tellement autoritaire, il a un pouvoir sur les gens que personne n'ose dire mot. Donc, de son vivant, s'il clarifie les choses, déjà, il peut sentir dans les comportements comment il est réglé. Mais s'il ne le dit pas, déjà, à son décès, le testament, le fout dehors, et puis on dit, écoute, c'est moi qui suis l'aîné. Les différentes frustrations au niveau des enfants, pour moi, peuvent créer des conflits pendant l'héritage. Comme le docteur le disait tout à l'heure, les gens ressentent des choses, mais parce que le père est encore vivant et que surtout, c'est mal vu en famille de parler des biens. Ce n'est pas pendant que ton papa est vivant que tu vas venir dire, papa, vraiment, l'immeuble là, c'est pour moi. Peut-être souvent, les gens le font pour plaisanter, mais ils n'insistent pas. Oui, on ne peut pas aller plus loin que ça, vraiment, parce que là, on reviendra au fond.